Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet aujourd'hui, championnat de 2e Ligue Inter, première rencontre de la 21e journée, match entre Colébossi et Verrier Sport. L'équipe de Colébossi actuellement au classement qui occupe le 7e rang avec 27 points. Et puis l'équipe de Verrier en dessous de la barre, 4 points de retard sur Perlis Ertoux. Les Verrides qui totalisent 19 points. Une équipe de Colébossi qui est revenue à la hauteur des joueurs de Comté, notamment avec 27 points. On l'a dit, il y a 6 points d'écart entre la barre, en dessous de la barre, et les équipes de Colébossi notamment. Et puis elles sont 3 ces équipes à 27, Dardania, Colébossi et Comté. C'est-à-dire que c'est pas encore joué, hein. Il va falloir encore travailler pour conserver sa place dans ce niveau de jeu. Une équipe de Verrier qui n'a pas connu la défaite depuis la mise en place de son nouvel entraîneur Sébastien Gauthier. Il y a eu 5 matchs nuls et 2 victoires depuis le 5 mars dernier. L'équipe de Verrier notamment, hein, qui allait faire match nul face à Mérin. Et puis match nul aussi 2-2 face à Vevey, qui a tenu en joue les leaders de cette ligue de jeu. Et bien évidemment, ça montre encore une fois la détermination. Et finalement, l'entente qui règne entre les joueurs et l'entraîneur avec ce ballon mis en avant. Il est contré, ça sera finalement dégagé. Donc, Oliveira pour ce premier corner de la rencontre. Elle est pas vieille, hein, cette rencontre. 4 minutes avec un long ballon mis au deuxième poteau. Et c'était pour Bijard. Il y a eu le coup de sifflet de l'arbitre. Tant est si bien que le portier Rodriguez, Paolo Albuquerque Rodriguez, va pouvoir dégager les siens. Aussi le premier corner pour les Verrites avec Rutlisberger. Ce ballon mis dans l'axe du terrain, c'est dégagé avec la récupération, tentative en tous les cas de récupération de Paul Pasquier. Et puis ce cuir intercepté, bon tacle, c'est bien fait. Un cuir qui va être récupéré par les Colésiens avec Izquierdo à la lutte avec 2 joueurs de Verrier Sport. Il s'en sort bien, le numéro 7 sur cette action. Et les Colésiens là qui peuvent repartir avec ce ballon mis sur Kerwedan. Ouais, Sanchez qui va prolonger. On joue horizontalement là avec Loneux. Un ballon sur Kerwedan encore une fois. Elin, il est contré. Bon travail au milieu de terrain. Ça travaille très très dur depuis le début de ce match. C'était si bien aussi qu'on n'a pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la pupille depuis le début de la rencontre. Avec Pochero qui est contré. L'arbitre qui siffle. L'arbitre de ce match aujourd'hui, qui est monsieur Alain Schlegel, il est assisté de messieurs Collard et Rezende pour cette rencontre ô combien importante vraiment pour Verrier Sport aujourd'hui. Tenter quelque chose avec une frappe lointaine, oh, c'était bien essayé. Et le portier sans difficulté, La Fontaine, sur ce tir de Rutlisberger, encore une fois. Une bonne occasion là, et ce ne sont pas des occasions nettes. On l'a dit, on le répète depuis le début de ce match. On a affaire pour le moment à 2 équipes en round d'observation. C'est une observation qui dure, puisque ça fait déjà 13 minutes que le coup d'envoi de ce match a été donné. Avec un cuir mis sur le pied d'El Taillard. El Taillard qui glisse à côté de lui. Sanchez. Prolonger ce ballon pour Loneux qui va remonter le terrain. C'est bien fait, le grand pan de Loneux. Et encore une fois, le bon travail défensif avec le dégagement d'Albuquerque. Avec Sanchez, le contrôle de Sanchez. Il a cherché de l'appui. C'est bien fait encore une fois. Ce ballon mis devant. Longue, très longue balle pour Loneux avec le centre instantané de Loneux. C'est dégagé avec la récupération. Petit ballon piqué. Cuir qui va sortir finalement. Cette passe pour Carasso. Carasso qui aura sorti un gros match notamment face à l'équipe Aiglon, hein, face à Aigle. Avec un succès sur la marque de 3-1. Mais là, sur cette action qui n'a absolument pas pu récupérer ce ballon. De Oliveira devant le capitaine Huguenin qui va décaler. Ouais, il va marcher dessus, c'est maladroit, mais c'est pas volontaire. Avec ce qui est récupéré par les Verts. Un ballon mis en avant. Ouais, c'était bien essayé encore une fois. Et ce service de Pochero qui a cherché Paul Pasquier, qui n'est pas parvenu à lui transmettre ce ballon de manière précise. Donc de Oliveira se remet de son contact avec son adversaire, Romain Huguenin, qui s'est excusé au moment où il a commis la faute. Match très correct pour le moment, très sportif, alors qu'on est rentré dans la 20e minute de jeu. Thomas Rutlisberger au corner pour son équipe. On est exactement au milieu de cette première mi-temps. La déviation
Oh, c'était extrêmement chaud. C'est peut-être pas terminé ce ballon centré pour Pochero qui a frappé. Ballon qui a été détourné. On repart de l'autre côté avec Kerouédan. Il est rapide, Kerouédan. Il va revenir sur ses pas. Contrôle de son ballon. Il va passer tout de même devant Rutlisberger. L'accélération de Kerouédan. Ouais, pas facile de son temps sortir. Il essaye de passer. Ah, c'est pénalty! C'est pénalty pour cette intervention de Da Silva Moreira sur Kerouédan qui a bien insisté là. Le numéro 8, grand bien lui fait puisqu'il obtient le pénalty. Alors est-ce que c'est justifié? Faudra voir le ralenti. J'ai l'impression effectivement qu'il joue pas le ballon, le numéro 7, et qu'il accroche la jambe de son adversaire. Ce face à face, Loneux Albuquerque. Loneux, 8 buts depuis le début du championnat. Le coup de sifflet de l'arbitre, Loneux, capitaine qui peut s'élancer. Oh, la parade d'Albuquerque et le tir par-dessus. Le tir par-dessus de Carasso qui a pu récupérer ce ballon et qui trouve les étoiles là. Ouais, c'était la balle du 1-0 déjà sur le pénalty. Et ensuite, avec ce ballon repoussé par le portier Albuquerque qui nous a gratifié d'une belle intervention sur ce pénalty de Loneux. Qui devra encore un peu attendre pour marquer son 9e but de l'ouvrage. Lisberger en discussion là pour savoir qui va tirer ce pénalty. Peut-être Machado également présent vers le cuir. On était à une bonne distance, hein, une vingtaine de mètres de la cage, pratiquement dans l'axe du terrain. C'est un coup franc très dangereux là pour Verrier Sport alors qu'on est rentré dans la 33e minute de jeu. On n'est pas encore sûr de qui va tirer. Hein. Machado, Lisberger en grande discussion, les deux joueurs. Ou est-ce qu'on va chercher l'effet de surprise avec Pasquier de l'autre côté? Tous les cas, l'arbitre qui a mis le mur à distance réglementaire, Monsieur Schlegel, et qui peut siffler. C'est Rutlisberger qui s'élance. Ouais, il est bien tiré, mais il passe quand même par-dessus le but défendu par David Fontaine. Il rempart des Chevaliers qui n'a pas eu encore de travail, au contraire du portier Albuquerque qui a arrêté ce pénalty. Moment important de cette rencontre. Attention avec ce long dégagement. Un cuir dégagé par la défense. Une remise immédiate. La sortie du portier. Kerouédan, le sauvetage sur la ligne. Le sauvetage sur la ligne. Énorme possibilité là pour les Colésiens d'ouvrir la marque dans ce match. Il s'en faut de très très peu pour que Kerouédan ne parvienne à marquer. Cette première réussite de la rencontre, lui qui a marqué un seul but hein, depuis le début du championnat. Et Alain qui va pouvoir tirer le corner, ce corner de la 39e minute en faveur des joueurs de Pierre-Yves Liniger qui se sont créés deux occasions coup sur coup là, avec notamment ce pénalty et une bonne prise de balle du portier Albuquerque. Très très sûr hein, dans ses prises de balle. Ce ballon relancé rapidement avec un cuir balancé en avant. Et cette récupération sur le flanc avec une tentative de débordement. Ouais, c'est pénalty. Une grosse hésitation et sans doute ce ballon détourné par le bras de Loneux. Ouais, il est tout malheureux le capitaine de Colèbes aussi qui a mis les bras dans le dos. Mais à mon avis, il n'a pas le bras le long du corps lorsqu'il touche ce ballon. Sur cette tentative de centre, Verite, et ça va donner une occasion cette fois de l'autre côté. Sur pénalty, une nouvelle fois d'ouverture de la marque pour le jeune Rutlisberger. 24 ans, ce jeune joueur, meilleur buteur hein, d'ailleurs de l'équipe de Verrier Sport avec 8 réussites. Comme d'ailleurs Loneux, que ça va devenir le meilleur buteur de cette rencontre. Eh bien, on va le savoir dans quelques instants. Ça pique en tous les cas pour poser le ballon. Ça bouge beaucoup quand même. On va finir par y arriver. Le duel Rutlisberger-Fontaine de la 39e, presque 40e minute. Le coup de sifflet de M. Schlegel. Rutlisberger qui s'élance. Ouais, contre-pied, c'est 1-0 pour Verrier Sport qui ouvre la marque dans ce match. Alors que les occasions les plus nettes en première période ont été pour Colébossi. On a encore une fois le côté qui est démontré, à savoir qu'on peut dominer. Mais si on manque de réalisme, eh bien c'est l'adversaire qui en profite. Et c'est pas immérité. Hein. Ils ont fait une bonne première mi-temps, là, les joueurs de Sébastien Gauthier qui ouvrent la marque. Donc après 40 minutes, grâce à Rutlisberger, c'est 1-0 pour Verrier Sport. La victoire, Verrier reviendrait à 5 points de l'équipe de Colèbes aussi. Avec ce ballon dégagé, ce cuir en chandelle avec une déviation de la tête. Voyez, contact entre les deux hommes, et bien involontaire à mon avis, Del Taillard qui va quand même écoper d'un carton jaune.
alors qu'il avait trébuché. C'est en trébuchant qu'il a fait trébucher son adversaire. Monsieur Schlegel, lui, en a décidé autrement et averti le joueur colésien. Donc on est dans les arrêts de jeu depuis une quinzaine de secondes maintenant. Rutlisberger qui prolonge, c'est bien fait, que le crochet, attention à la frappe. Ouais, c'est contré, alors tout dernier moment. Et cet envoi qui va finir sa course en corner. Ah, c'était très très dangereux, encore une fois. Et c'est Rutlisberger, comme d'habitude, qui va aller tirer le coup de coin pour son équipe, alors que l'arbitre ne devrait plus tarder à siffler la fin de cette première mi-temps. Pour le moment, sur cet avantage, grâce à cet homme, Rutlisberger, qui a pu inscrire le pénalty à la 40e minute de jeu et permettre à son équipe, pour le moment, de virer en tête. Rutlisberger au coup de coin, ballon mis au deuxième poteau, c'est dégagé. Ça va être intercepté par Tadeo. Tadeo, hein, la lutte avec le joueur colésien et ce dernier qui aura le dernier mot avec une faute. Oh, un vilain geste. Un vilain geste. Alors attention de ne pas s'énerver. Ça va finir en carton rouge cette histoire. C'est une des dernières opportunités de cette première mi-temps dans cette 47e minute. Le coup de sifflet de M. Schlegel. Le ballon qui est parti dans l'axe. Ouais, directement dans les bras du portier David Fontaine. Qui va chercher à dégager rapidement aux avant-postes. On a notamment la présence d'Eyer. Et le coup de sifflet pour cette intervention. Petite tape amicale, il y a quand même des gestes sportifs. C'est vrai qu'on a dit, ça s'énerve un petit peu à un moment de la partie. Et notamment dans ces derniers instants, on va pouvoir se calmer au vestiaire avant de reprendre la seconde mi-temps 1-0 pour l'équipe de Verrier Sport. Face à Kolleb aussi, les Colésiens qui ont manqué de réalisme, notamment Kerwedan qui a vu son tir repoussé sur la ligne. Et puis le pénalty de Lonneux, très très bien détourné par Albuquerque. Et Lonneux qui va effectuer cette remise en jeu, chercher du soutien, en trouver avec Sanchez. Sanchez en 1-2, c'est bien joué là, la part des Colésiens. On joue rapidement avec ce service sur le pied d'Hier. Et il ne bénéficiera pas d'un pénalty sur cette action. Il est venu au contact avec son adversaire. Ils se sont fait mal, plus l'un que l'autre d'ailleurs, sur cette phase de jeu. Bottinelli qui est resté au sol. Ouais, c'est un duel musclé, mais à mon avis, pas forcément matière à siffler pénalty. L'un ou deux, Oliveira, dans cette sixième minute de jeu, le coup de sifflet de l'arbitre. Et là, finalement, un ballon mis au premier poteau avec la montée de Bijard qui met la tête et qui voit son envoi passer à côté. Le dégagement de l'excellent portier des Verites, Albuquerque, 12e minute de cette seconde période. Ce long ballon mis en avant, dégagé de la tête avec la défense. On va revenir vers le portier Fontaine. Le décalage de Fontaine, ballon intercepté par Lonneux, qui peut mettre en avant, cuir récupéré avec une frappe. Elle n'inquiétera pas le portier, cette frappe de Lionel Jacquot. Et Romain Hugnin qui peut repartir à la lutte avec Kerwedan. Kerwedan qui tente de récupérer. Le ballon est pour les joueurs colésiens avec l'intervention. Oh, le tacle de Pochero qui se tient le visage également. Est-ce qu'il a reçu une manchette de Oliveira? En tous les cas, l'arbitre a sifflé sur ce tacle du joueur Verit, défenseur de cette formation. Et ça sera donc un coup franc en faveur de l'équipe de Pierre-Yves Liniger qui va être joué, alors qu'il y a un carton rouge. Alors c'est un carton rouge au joueur Pochero là, pour cette intervention sur son adversaire. Rouge immédiat d'ailleurs pour le numéro 13 qui est expulsé dans cette 20e minute de la seconde mi-temps. Ouais, c'était quand même un tacle par derrière, mais est-ce que l'arbitre devait l'expulser? On va le laisser seul juge vraiment sur cette phase de jeu, monsieur Schlegel, qui a pris ses responsabilités et qui exclut du jeu Philippe Pochero. Les Colésiens vont-ils profiter de cette supériorité numérique? En tous les cas, ils repartent à l'offensive avec Carasso. Le décalage de Carasso pour Hélin. Hélin avec un centre tendu, deuxième poteau pour Lonneux, c'est très très long. Et ça va sortir en faveur des joueurs de Verrier Sport. Côté de Verrier, on est quand même très haut sur le terrain, hein, malgré l'évolution à 10 contre 11 après l'expulsion de Pochero avec ce ballon récupéré par Lonneux. Lonneux pour El Tayar. Attention, El Tayar, une passe imprécise. Et Tadeo qui vient contrer ce ballon. On joue à se faire peur côté colésien là. Et sur cette phase de jeu, Johan Tadeo qui a bien failli en profiter, hein, pour venir marquer le numéro 2. Machado, contrôle de ce ballon qui glisse en avant. C'est bien joué ce service à destination de Jacquot.
Jaco qui va affronter El Tayar et qui va le passer. C'est très bien joué là de la part de Jaco qui vient en retrait. On cherche des solutions avec un centre tendu et un ballon trop long là sur ce service d'Inaroto. Et finalement, ce ballon récupéré par les Colésiens, Inaroto, hein, Antoine Inaroto. Tel est le nom du joueur qui vient de tenter ce centre. Rectification, il devait y avoir. Il nous arrive aussi de commettre des erreurs. On n'est pas infaillible avec ce cuir récupéré par Sanchez. Kerwedan, Sanchez qui va décaler sur le capitaine Loneux. Impuissant pour le moment les Colésiens. Avec ce ballon mis sur le côté, El Tayar. El Tayar qui va prolonger. Ayeté, Ayeté en prolongement. C'est bien joué sur Ella avec le sauvetage. Magnifique, encore une fois, défensif ce cuir. Importante de Oliveira de la 42e minute dans cette seconde mi-temps. Ballon mis au deuxième poteau, Bijard de la tête. Et un cuir intercepté facilement par le portier Albuquerque qui va pouvoir dégager l'équipe de Verrier Sport à 3 minutes maintenant d'un succès ô combien important dans le cadre de la lutte contre la relégation. Et Colébossi va sans doute se battre jusqu'à la fin pour aller chercher l'égalisation, obtenir un point dans ce derby genevois avec un cuir encore une fois dégagé proprement par la défense. Il est sur tous les fronts là pour éviter de voir les Colésiens passer. C'est mis une nouvelle fois sur Rabassa qui va accélérer. C'est bien joué Rabassa qui prend de vitesse le défenseur. Il va passer, c'est bien vu. Barassa flanc, droite là qui cherche des solutions. Rotlisberger à ses buts. Le deuxième but de Rotlisberger qui en sans doute la victoire à Verrier Sport. Dans ce match aujourd'hui, encore une fois, Verrier Sport ne connaîtra pas la défaite. Dans ce match du jour, on l'a dit avant cette partie, 5 matchs nuls, 2 victoires. Et sans doute une troisième victoire. Les joueurs de Verrier Sport qui effectuent leur remontée pour le moment dans ce championnat. Alors c'est pas encore joué, hein. Il reste 2 minutes plus les arrêts de jeu. Mais grâce à Rotlisberger et ce doublé, bien l'équipe de Verrier Sport qui a fait un pas important dans cette rencontre vers une cinquième victoire dans ce championnat 2015-2016. Tentez de venir chercher la réduction de la marque de Oliveira qui s'élance. Ça ne sera pas lui finalement. Ça sera Ella avec un ballon mis vers Bijard. Et la bonne sortie d'Albuquerque qui peut saisir de ce ballon. Sans doute le dernier coup franc de la partie, l'arbitre qui a regardé son chronomètre, Monsieur Schlegel, avec de Oliveira, ballon dans les 16 mètres, c'est dégagé, Loneux qui peut récupérer, Loneux, ouais, il est dégagé ce ballon encore une fois, gros travail de défense, et l'arbitre qui met un terme à la partie, le succès dans ce derby genevois de Verrier Sport, qui s'impose 2-0 face à Colébossi. Colébossi encore et toujours, qui connaît de grands problèmes à la maison, on l'a dit, c'est le chaud et le froid. De temps à autre, de superbes matchs, comme notamment face à Servette. Et puis là, une défaite 2-0 face à Verrier Sport qui recolle au classement. 22 points, un seul point de retard sur Perlis-Sertoux en-dessus de la barre. Quelle remontée des hommes de Sébastien Gauthier. Avant de nous quitter, on va peut-être entendre une réaction ou l'autre sur ce succès. Verrier, aujourd'hui, un succès ô combien important. C'est un bon match, c'est une belle victoire. On va la chercher avec les tripes jusqu'à la fin. On arrête un penalty au début du match. Après, ils ont des grosses occasions, on prend pas. On marque derrière, on les met en difficulté. Ensuite, on est à 10, mais bon, on tient le choc. Ils n'ont pas plus d'occasions que ça. Et puis après, c'est nous qu'on va chercher la victoire. Effectivement, vous avez mal commencé le match. Donc, vous accordez un penalty à Colec qui le rate. Et ensuite, ils ont une grosse occasion, malheureusement. Donc, un de vos joueurs, heureusement, l'arrête sur la ligne. Et ensuite, vous bénéficiez d'un penalty. Et là, vous ratez pas le coche. Exactement, ouais. On a été efficace, on va dire, ce soir. Même à la fin où on plante le deuxième sur une action, on va dire, anodine, mais on joue le coup à fond et puis on la met au fond, ce qui compte. Vous vendrez au vestiaire avec un but à votre avantage et vous lâchez pas l'os. Jusqu'au bout, vous tenez et vous marquez à la 90e qui permet d'assurer la victoire et les 3 points. Ouais, exactement, on s'est dit à la mi-temps ils allaient revenir fort, c'est ce qu'ils ont fait, on a tenu, on a essayé un peu de casser leur rythme, c'est ce qu'on a réussi à faire, malheureusement on prend le rouge mais on tient bien le coup et puis à la fin, ben, comme vous dites, on met le 2-0 qui les crucifie. Et maintenant votre performance elle est incroyable, parce que sauf erreur ça va être la 10e match sans défaite, et le dernier c'était contre Perli, sauf erreur au premier tour, un but à 0, c'est fabuleux ce qui vous arrive en ce moment. Ouais, on revient de loin là parce qu'on était dernier, on était un peu au fond du trou, on est dans une bonne spirale en ce moment. Semaine dernière, on loupe le coche où Dardania est à 10 et on parvient pas à mettre le 2-1, mais
Heureusement aujourd'hui on gagne et puis on met la pression sur les adversaires et les concurrents directs qui joueront demain. Vous êtes encore sauf erreur à l'heure actuelle sous la barre, si je ne me trompe pas. Donc, mais vous êtes confiant pour la suite. Ouais, exactement. On est, comme je l'ai dit avant, on est sur une bonne spirale. Donc on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver, même si on doit quand même cravacher à chaque match. Et puis il faut qu'on continue comme ça.